Salut les chasseurs, on est parti sur la quête d'événement qui s'appelle Une bonne pioche, qui consiste à aller chasser un Brachydios Alpha pour se crafter un katana assez fun. Donc attention, c'est bien un katana, c'est pas une grande épée comme j'avais pu le dire dans la vidéo où je présentais un peu les quêtes event du festival, c'est un katana. Je viens de le faire, je suis allé vérifier et j'ai été étonné de pas voir ça dans les grandes épées, mais du coup c'est bien un katana. Donc voilà, on est parti. Si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner, c'est super cool, merci à vous. Allez, let's go. Mettre la cape tempo. On est au fusard léger pour spammer un peu les munitions. Les munitions glace, simplement. La plus grande faiblesse du brachy. Là il vient de me. Waouh, il vient de me passer à côté, j'ai même pas fait plus attention que ça. Il m'a raté. Voilà, du coup j'ai rejoint un groupe qui était depuis 2 minutes dessus, donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait comme dégâts. Voilà, je retourne me la faire à l'instant. Hein. Je l'ai faite il y a une dizaine de minutes. Passe assez tranquillement. Hein. C'est le genre de cat event assez tranquille. Avec une récompense assez cool quand même, parce que le katana, je vous en dis pas plus, mais il est assez marrant. Petit brachy. Oula, il y a des nitro crapauds de partout. Oula, en plus il va se prendre. Là il va se prendre les gadjalaka. En profiter pour aller coller les mines un peu partout. Ah là, ouah, là ce qui est... là il va recevoir là. Là ils vont. Ouais, les autres ont bien fait péter les mines. Là il a pris. Là il a pas dû aimer notre ami Brachy. Ah, le Brachy c'est vraiment ce que je faisais uniquement au corps à corps avant, et en fait à l'arbalète je trouve qu'il passe super bien. Plus simple à prendre un peu en distance, puis on se fait moins avoir par sa poisse. Donc c'est. Ouais, c'est assez cool depuis que. Depuis que j'ai ce build là au fusard balai, je le trouve assez sympa. Je tire un peu à côté là. Oula. Ah, il bouge bien là. Là il est un peu chiant. Là à viser il est assez lourd. Ah, je pense avoir rechargé. Ah, là il se prend. Là il reçoit. Hein. Là il a pris en plus la charge de la grande épée de l'équipier. Oula. Ouh. Ouh aïe aïe. Ah, je fais le malin depuis le début de la quête parce que pas peur de grand chose, mais là je me suis retrouvé clairement sous une flaque et ça a failli faire extrêmement mal. Ouais, juste avec 150 points de vie, ouais, il peut... Ouais, il y a certaines attaques, si on fait pas gaffe, ça peut faire extrêmement mal, voire one shot. Là, il me restait pas grand chose, hein. Il va descendre dans l'autre salle, si on arrive à lui coller le piège à rocher, ça sera parfait. Ouais, normalement, il va pas encore tenir trop longtemps, je pense. Je sais pas s'il a déjà tué quelqu'un avant que j'arrive. Ah, donc là normalement je peux lui faire tomber le piège à rocher. Ah, j'ai encore des mines sur moi donc c'est bon, je vais pouvoir aller lui en mettre dans la tête. Ah là on va pouvoir spammer. Ah là normalement. Ah normalement il va prendre. Là il va bien prendre. Je suis content quand même qu'il l'ait remis le Brachy. Je l'aimais bien dans 3U. Clairement c'était le monstre un peu challenge de 3 Ultimate. Enfin fallait aller se le taper en rangée tout seul, c'était assez cool. C'était la quête challenge un peu à la fin du jeu, à aller se faire tout seul. Le truc à la fois faisable mais quand même chaud. Il y a toujours des quêtes. Avant Iceborne et avant World et Iceborne c'était un peu ça. Vu que vous aviez que le niveau de difficulté du village et de la guilde.
allez vous taper les quêtes qui normalement en guild étaient faites pour y aller à 4. Y aller tout seul une fois que vous étiez full stuff, c'était vraiment le top. C'était là que vous sentiez vraiment le danger et que c'était bien. Et du coup sur 3U le Brachy il était pas mal comme ça. C'était un peu la quête que je remets de temps en temps en solo à la fin de 3U. Il y a plus grand chose d'attendri là sur lui, donc je spam mais ouais pas avec une efficacité énorme. Allez, ouais, ah là, nickel. Là, je peux lui en mettre plein la tête. On va pas tarder à boiter, là, notre Brachy, quand même. Ha. Il se rénerve. Allez, le menu radial en... Le menu radial, pendant qu'on recharge, ça, c'est quand même sympa. J'ai mis un temps fou à l'utiliser le menu radial, c'est... Ouais, mais là je m'y mets et c'est vrai que c'est quand même un énorme bonus. J'ai absolument pas utilisé ça dans World, vraiment je jouais vraiment de manière ultra classique, comme un gros ancien... Ah il s'endort. Ah bah oui mais il s'est pris, ouais, il s'est pris le mec qui était dessus. C'est vrai que pouvoir crafter ses munitions pendant les recharges c'est quand même relativement cool. Ah on en chie lui casser les trucs hein. Oui. Ah non je suis allé pile poil dans la poisse. Ah non là j'ai assez d'endurance pour me la virer. Ouah regardez le nombre de roulades qu'il m'a fallu pour me virer là le fléau explo. Tu comptes mourir un jour Brachidios ou... Vraiment si un moment ça te traverse l'esprit surtout n'hésite pas. Il boite pas, hein. Ah, elle était passée tellement facile sur le premier... la première fois que je suis... Non, on n'a pas besoin de ça. Je préfère prendre les objets de Brachy. Ah là, par contre, j'aurai besoin d'un petit breuvage frais que j'ai pas oublié de prendre. Nickel. Ah, il va se taper l'ouragan. Ça va se fight avec l'ouragan. Ah non, oula. Non, il veut pas. Cap tempo. Non, cap tempo, j'ai dit. Voilà, plus à l'aise avec ça pour terminer la quête. Non, non. Ah, là pour le coup, son cri il est cool parce que j'allais faire une grosse connerie. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur carré. Et ça allait me consommer. Mais pourquoi je suis à la... Non, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, pas besoin d'être spécialement full vie, parce que là, avec la cape tempo, j'ai pas de perf au petit, là, sur ce set. Il me semble pas. Quand même... Me soigner un coup, hein. Ce serait quand même dommage de mourir. Je compte me les faire toutes là les flaques ou comment ça se passe? Voilà, pouvoir retaper. Si quelqu'un l'envoie dans le mur, ce serait cool. Mais il va prendre des dégâts un jour ou... Bah si je tire à côté forcément il y a moyen de m'en marcher mais... Et quand même comment... Putain, la première fois qu'on y allait... la détruit. Et là c'est... Ouais c'est... Là c'est pas pareil hein. Ah. Non. Où est-ce qu'il va attaquer?
Ah, oula! Ah d'accord, mais oui, il m'a fait péter la poisse. Va prendre de risques, hein. Ah, ça y est, ça boite. On va mettre quelques petites munitions en partant, mais ouais, je pense que... Pas m'embêter, le capturer. Ça, ça a été le gros réflexe. Avant, sur les anciens opus, capturer très peu. Et là, c'est ouais, c'est tellement devenu pratique, en fait, de capturer, du coup. Dans World, je trouve ça encore plus accessible que dans les autres opus. Du coup, c'est... Ah, merde. Oh, putain. Ah bah, il revient. Allez, les bombes tranquilles. Voilà, il y en a un qui embêtait en tapant. C'est capturé, la quête réussie, nickel. Si ça vous intéresse, je vous montre un peu mon équipement. Du coup, voilà, on va mettre dans 7. Voilà, ça c'est mon set pour le fusard léger élémentaire. Ce dont je me sers le plus. Donc voilà, ça vous intéresse. Mettez pause si vous voulez voir. Donc du coup, je vous ai dit, c'est une quête qui servait à se crafter un super katana. Donc, à l'aide de ces petits tickets comme on a là. Voilà, par contre, ouais, j'en ai eu que 2. La quête précédente, j'en ai eu 4. Sachant que vous avez besoin de 2 tickets pour vous crafter le premier, donc que vous trouverez au forgeron directement en craftant, hein, pas en améliorant. C'est un katana que vous pouvez améliorer avec 1. Donc en gros, en 3 tickets, vous avez votre katana complet. Voilà, je vous pas plus. Donc voilà, là j'en ai eu 2, bah du coup ça me fait 602 quêtes, donc voilà, en tout, en moyenne 3 pour l'instant. Le pallium, ça c'est cool. Allez, au niveau de ces tailles, je crois que j'ai aucune de ces tailles d'or. Cogneur bénédiction, ah, sympa. Mané Malstrom, pas terrible. Alors, au niveau de ces tailles d'or, qu'est-ce qu'il a? Rien à signaler. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous était utile. Le cas, si vous voulez vous abonner ou en voir une autre, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je viens de vous mettre. On est le 24, donc je vous souhaite un bon réveillon à tous et joyeux Noël pour demain. Et je vous dis bonne chasse et à la prochaine. Ciao.